Et salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui Jamy, avant de commencer la vidéo, comme toujours n'hésitez pas, oui c'est ça, petit fail, excusez-moi. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à déglinguer la barre des likes et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, bonne vidéo à vous, mais avant, place à la intro. Ouais. Et regardez-moi ça, on est jeté dans les airs comme sur Fortnite. C'est pour ça que je disais que ça ressemble à Fortnite. Où est-ce qu'on va se poser? Voilà, ici. Voilà, on s'est posé. Alors, je vous ai pas dit, mais dans la ville, non seulement il y a des joueurs normaux, mais il y a aussi des entités. Là, il y a un joueur, par exemple. On va essayer au début de ne pas trop se les coltiner. Voilà. On a trouvé des petits coffres, et je crois qu'on s'est déjà fait repérer. Ouais, il est en train de nous signaler. Ouais, parce que là, voilà. Ah. Bon bah, premier essai, on n'a pas réussi à survivre très longtemps. C'est dommage. C'est très très dommage, hein, à vrai dire. Mais bon, là. Regardez, il était super bien armé et tout, et nous j'ai dit pour commencer on se prenait du petit stuff. Donc c'était déjà pas mal, on lui a fait pas mal de dégâts je pense. Oui c'est même sûr. Mais pour vous montrer à quel point c'est chaud de survivre là-dedans, dans cette chétanerie là. On va pas se poser sur un immeuble. Hop là, voilà. Ici on est bien. Il y a un policier là-haut. Est-ce qu'on se la joue YOLO et on saute dans le vide ? YOLO! Ah, ça nous fait pas de dégâts, j'avais oublié. Là, on a un policier. Là, il nous file un peu de stuff. Ça, c'est protection 4. Ah, bah oui, c'est vrai, j'ai plus d'armure. Mais c'est vraiment chaud. Hein. Mais regardez-moi ce beau décor, ça. C'est magnifique. Ah, oui, elle est magnifique cette ville. On a même un petit métro et tout. On est en. Fermé. On va pas aller dans le métro, nous, on va. Trouver du bon stuff. Oh ben c'est un joueur. Ah oui non mais je vous ai dit on n'est pas armé hein. Autant parce que il y a beaucoup de gens qui jouent, c'est très connu hein, c'est le plus grand serveur français. Oh oh. Non. T'es pas sérieux non. Bon deuxième essai, ok. non seulement je suis nul au PVP mais en plus à ça. Super hein. Oh. Bon bah on va se fixer une troisième manche. Mais vraiment ça fait un bail que j'ai pas joué pour tout vous dire hein. Ça fait méga longtemps que j'ai pas joué donc sûr que après voilà quoi j'ai. Quand tu joues pas je crois que ça fait un an que j'ai pas joué donc tout le stuff que j'ai là c'est le stuff que j'ai ramassé avant que j'arrête de jouer. Parce que tout simplement j'en avais un peu marre de Dieu. Oh oh. On se jette dans le vide. On sait pas faire repérer, il y en avait un en haut. Bon celle-là c'est la troisième manche. Hein. On va pas faire le show. On va essayer. Et on va essayer de trouver des coffres. Parce que du coup. Oula. Deux fois de suite je me suis fait abattre avant qu'on trouve des coffres. Et ça. Voilà. Oh. Voilà. Ah bah la première round. Voilà, parfait. Y'a quoi?
franchement, vous êtes sans doute impressionné ou peut-être pas, hein, j'en sais rien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais ce n'est rien par rapport à toutes les armes qui existent. Des armes super cheatées, il y a des sabres, des pistolets laser, il y a de tout. Mais pour nous, c'est déjà pas mal. Ah oui, non. Après, on peut s'acheter des grades comme tout serveur et du coup, tu as des trucs supplémentaires. Moi, je suis pas ça. Non. Je m'achète. Ah, il y en avait un là. Ah, des pattes de baseball. Voilà quoi. Wouah! C'est quoi ça? C'est une carabine. Ah, chelou. Ah bah voilà, on est en train de se faire canarder, encore une fois. On va se réfugier ici. On va essayer de s'enfuir même si... Hop là. Regardez-moi, je gère. Ah non. On a vu, on s'est fait repérer. On va descendre dans les profondeurs du métro. Ah oui, il faut qu'on le sème, notre potion. Non, c'est bon. Visiblement, j'espère qu'on n'a pas atterri pile à l'endroit. Regardez-moi ce jeu comme il est bien. Ah, et tout à l'heure, du coup, vous avez pas vu, hein, mais, enfin, je vous ai pas dit. Les deux coffres qu'on a trouvé, bah, c'était ça, les coffres, en fait. Ça, c'est un taser. Oh, on va avoir du ravitaillement aussi, ça, c'est une bonne nouvelle. Déglinguer. Allez, on y va au courant. Wow. Oula. On suit. Mais je... Oh, c'était quoi ça? Mais je sais pas vous, mais moi en tout cas je kiffe tellement le... je kiffe trop le serveur, hein, franchement. Ah ouais, j'adore ça. Ah oui, non mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on en refasse ou quoi. En tout cas, moi je pense que c'est une bonne idée qu'on en refasse. Allez, pour cette dernière planche, nous débutons sans rien. Sans rien du tout. Ouais, sans. Soyons fous. Bon, vous voyez à quel point je suis nul, mais bon, en même temps, il y en a un, il a fait un one shot avec nous, hein, donc il a fait one shot, donc excusez-moi, mais ta 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 ta, je suis même pas mort, c'est incroyable. Ouais, il nous est passé devant et du coup après il nous a. Ça, je crois que c'est un pistolet laser. J'en avais un avant quand j'y jouais. Je sais même plus comment je l'avais, mais j'avais retrouvé une. Et... Ah, ici il y a des coffres, je crois. Non, il n'y a pas de coffre. Pourquoi je... Ah, c'est là. Oh, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Ok, ici on trouvera visiblement. On trouvera visiblement. Ouais, quelqu'un qui vient de passer. Enfin, pas forcément qui vient maintenant, mais. Quelqu'un qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, un policier. Mais j'ai rien fait de mal. Les espoirs. Oh, c'est quoi ça? Du lapis. C'est pour s'enchanter des armes. Pour qu'elles soient à vie ou je sais pas quoi. Par contre, j'ai rien là. Voilà. Corps à corps. Ah ben voilà une bonne arme. Ce qui est bien aussi dans ce... Enfin, moi je trouve ça bien, mais après il y en a qui trouveront un peu mieux. C'est qu'il n'y a pas de chargeur. Voilà. Oula, c'était quoi ça? Oh, du cannabis. On est riche. Je rigole.
Par contre, à force de tirer, on va se faire repérer. Ok. Bien. Je sais pas combien. Ah bah attendez, on va essayer de vendre ça tout de suite. J'en ai jamais trouvé avant. Maison, gang, stick, kit, under chest. Prime, taxi. Oh. Je sais pas comment on fait, mais je vous dis, ça fait un bail que j'ai pas joué. Même avant, quand j'ai joué, j'ai jamais trouvé de cannabis aussi. Mais à chaque fois, je me faisais démonter juste après. Oula! Ça vient de péter pas trop loin. On va se cacher là. Un petit coffre parfait. On prend. Allez, évidemment, y'a rien. Rien dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Ah. On va monter tout en haut. Quoique, non, c'est un petit peu énervant. Par contre, ce qui est bien quand on... Ouais, non. On va redescendre. Ce qui est bien, c'est que du coup, si quand t'as un sniper, tu peux le sniper. Mais bon, nous, moi, pour cette première partie avec vous, j'ai décidé de pas prendre mon stuff. Et de toute façon, mon stuff si cher, mon stuff super cool que j'ai, je finirai par le perdre. Parce que un des inconvénients aussi de ce GTA... C'est que ben tout simplement voilà quoi, il y a que des gens ultra cheatés qui payent et tout. Oh stylé, oh, ça fait mal. Des bonbons. Par contre on va juste regarder un truc. Ah oui, non, oh non, des fioles. Il y a du monde qui nous suit. On s'enfuit. Oh, on peut pas fermer ça. C'est quoi ça? Bon, on va juste changer un truc parce que le ça me saoule un petit peu le chat. Option graphique. Ouais, option. Chat. Commande seulement. Ah oui, non, ça marche que pour un solo, ça marche. Ouais. Par contre, ça pète en haut. Je sais pas ce qui se passe, mais. Ah. C'est quoi ça? De la mutacine. Oula. Ah non, c'est terminé. Donc là, on va se faire déglinguer. Allez, venez. Pas si vous allez survivre. Ah si, en fait je me débrouille, je me débrouille. Voilà, voilà, y'a quoi. Par contre c'était un peu bête de faire ça. Je vais attirer tous les joueurs du coin. Voilà. Faut qu'on fasse un peu le tri. AK-47G. Appel dans la position de la fusée aérienne. Je pense que c'est... Cannabis et de la métaphine. Ok. Ah, du coup, j'en profite. Ah, j'ai plusieurs... Oh, le... Je vais me retenir de... Oh, comment il m'est arrivé dessus? Bon, écoutez les potos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, on n'a pas fait grand-chose, hein, franchement. On a tué personne à part des civils, mais c'est déjà pas mal pour une première fois pour vous faire découvrir tout ce jeu. Franchement, moi j'adore. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous kiffez ou non, si vous voulez qu'on en refasse ou non, ou quoi que ce soit.
Si vous ne connaissez pas Rina Orc, au moins maintenant vous connaissez Rina Orc. Il y a plein de jeux, il y a du Bedwars, enfin, à mon avis, on ne fera pas que. Ah bah parfait. On ne fera pas que du Warfare sur Rina Orc parce qu'il y a plein de jeux, franchement, c'est un truc de. Enfin, c'est comme un serveur quoi, c'est voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, parce que comme ça, il y aura plus de gens qui connaîtront ma chaîne et ça ira beaucoup mieux. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!